Bah, je pense que c'est le fait de marquer un but de plus que nous. C'est ce qui... Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, écoutez, je pense qu'en premier temps on a bien joué, surtout on s'est fait un petit, quelques occasions, on n'a pas mis un fond, et en deuxième mi-temps je pense qu'on a un peu relâché par rapport au premier mi-temps, donc peut-être c'est ça. Le prochain match contre Guinée sera un match décisif qu'on va tout essayer de faire pour gagner. On a vu aujourd'hui que l'équipe nationale du Sénégal a manqué de visibilité, surtout au niveau du milieu de terrain. Quel a été vraiment le problème? Bon, je pense que vous pouvez bien imaginer le match plus que moi. Donc, je pense qu'en premier temps, on a bien joué, surtout on s'est fait quelques escases, même si on n'a pas mis au fond. Et en deuxième temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un peu relâché. Donc je pense que c'était vraiment pas un bon signe pour nous, donc voilà, je pense que c'est. Et aussi on n'a pas mis de but, donc je pense que c'est ce qui a fait la différence. Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? La différence, elle s'est faite sur des détails. On savait que c'était un match de très haute qualité, on savait que ça allait être très difficile. Maintenant c'est dommage qu'on ait perdu le match, mais je pense que voilà, on n'a pas à rougir, on a fait un grand match aujourd'hui. C'est dommage qu'on le perd sur des détails, mais on avait aussi l'occasion des occasions pour égaliser. On ne l'a pas fait, c'est dommage, mais voilà, on va prendre des leçons de ce match-là. Quelle est la différence aujourd'hui avec l'équipe algérienne? Je pense qu'ils ont été plus réalistes. C'était un match équilibré, un match engagé. Et l'Algérie a été réaliste. Ils ont fait un bon match, je pense. C'est une bonne équipe. C'était un match entre deux bonnes équipes. Et voilà, félicitations à eux. Et si on se retrouve dans la compétition, on essaiera de gagner ce match-là. On a senti que l'équipe algérienne, l'équipe sénégalaise, ils n'ont pas voulu forcer pour le résultat. Non, on voulait gagner. Après, les conditions ne sont pas faciles. Mais l'objectif, on voulait vraiment gagner, voilà. Et on doit encore s'améliorer, on a des points à améliorer, on le sait.